Monsieur Jean-Noël Robert a la parole pour présenter l'exposé de Monsieur Zhang Guanyua, professeur à l'université Shangqi de Taïwan. C'est pour moi un grand honneur de présenter à notre académie l'un des plus illustres historiens actuels du monde chinois, le professeur Zhang Guanyua, qui, vous allez le voir, est parfaitement francophone, spécialiste des relations culturelles entre l'Asie centrale et la Chine, et même des relations culturelles à l'intérieur de l'Eurasie médiévale, de la société chinoise de la fin des Tang au début des Song, et même des relations faites par les Chinois, les moines chinois, sur l'Inde. Donc ces travaux sont connus de tout le monde sinologique. Monsieur Zhang Guanyua, professeur à l'université Shangqi de Taïwan, sous le patronage de Monsieur Jean-Noël Robert, a la parole pour la lecture de sa communication intitulée « À propos d'Édouard Chabanne, le premier sinologue complet ». Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président, merci. Le professeur Roland Reicht. Je voudrais également remercier d'abord les professeurs Pierre-Étienne Ville et monsieur le professeur Zhang Xiping et Jean-Noël Robert pour leur invitation. Il y a 101 ans, Édouard Chabanne, sous-successeur de Jean-Pierre Abel Musat et de Stanislas Julien, était élu membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Aujourd'hui, alors que nous examinons rétrospectivement le riche héritage que ce grand maître nous a légué, la question de la place occupée par ses travaux au cours de ces 200 ans d'histoire de sinologie française se pose à nous. Sans doute, les mots prononcés par Paul Béliot il y a près de 60 ans, en 1945, avant son décès, restit toujours approprié. Chabanne fut, observa-t-il, le premier sinologue complet. Dans son discours, Béliot soulignait deux atouts à disposition de Chabanne. D'une part, une excellente formation reçue en philosophie et en histoire. Et d'autre part, plusieurs années passées en Chine, occasion d'une connaissance concrète de ce pays. Mais en quoi une bonne formation scientifique et une expérience réelle de la Chine avaient-elles pu contribuer à élever Chabanne non seulement en premier sinologue, mais aussi et en sinologue complet? C'est là ce que je tenterai d'entrevoir dans le présent exposé. Il me semble en premier lieu que doté de l'esprit critique de la philosophie et l'histoire moderne, Chabanne fut le premier historien à établir une nette distinction entre les corpus historiographiques chinois classiques et épistémologie dans le domaine des études historiques. Ses recherches sur la mémoire historique de Sima Qian Shiji ont été à la fois une interprétation remarquable du texte d'un point de vue l'histoire positiviste est une œuvre pionnière. Il a premier pris le texte même de mémoire historique pour un objet historique d'étude. Dès le début de son travail de recherche, Chabanne se consacra à la traduction
de cette œuvre fondatrice des études historiques en Chine, et notamment à la première des 24 histoires dynastiques officielles, qu'étaient les Sima Qian Shiji, les mémoires historiques de Sima Qian. Entre 1895 à 1905, il a traduit et publia près de 3/5 de cette œuvre, à laquelle il adjoignit des notes et des appendices fort documentés. Certes, sa connaissance en matière bibliographique était moins riche que celle de grands érudits chinois de la seconde moitié de la dynastie des Qing. Et il n'était pas en mesure de prendre en compte toutes les critiques et commentaires particulièrement nombreux et complexes que les savants chinois avaient consacrés à cette œuvre depuis l'époque de Sima Qian, c'est sûr. Mais Chavannes a eu l'audace de traiter comme un auteur grec ancien ce grand historien chinois, et d'employer sur son œuvre les procédés critiques que l'Occident appliquait aux auteurs classiques. Cela le distingua notamment des savants chinois traditionnels, dont l'intention était surtout retenue par le contenu du corpus. Elle lui permis aussi de mettre plutôt l'accent sur la méthode et la logique de la construction de cet ensemble. Ainsi, non seulement Chavannes a été le premier à proposer une analyse structurelle des mémoires historiques, mais en plus a dit aussi à entreprendre une discussion sur l'origine et la fiabilité des sources dont devait se servir ce matin, et a mené par là même une étude leur auteur, c'est-à-dire ce matin lui-même. Des plus grands savants chinois du XVIIIe siècle, tels que Fang Bao, Shao Jinhan, Zhang Xuecheng, Liang Yusheng, surtout Cui Dongbi, Cui Shu, par exemple. Dans l'ouvrage de Cui Shu, Kao Xinlu, considérait comme Chavannes que certains récits apportés par Shiji n'étaient pas fiables. Son jugement, En revanche, était remis d'un point de vue tout à fait différent. Pour Cui Shu, ce défaut de fiabilité signifie en effet être en contradiction avec les classiques confuciennes. Cui Shu 怀疑 某些个记载不可靠, 是根据他认为不符合 儒家的经书和沙文完全不同在这点上。 Dans l'introduction et la conclusion de sa traduction de cette œuvre, Chavannes a très clairement mis en avant sa méthode d'objectivation d'un corpus historique. Il écrit: dans les pages qui précèdent, nous avons considéré le mémoire historique de Sima Qian comme un fait, et nous avons recherché à expliquer ce fait par ses causes. Pour comprendre un fait, il faut le considérer sous les faces diverses, car il est là résultante des causes multiples, et ses effets se propagent dans plusieurs directions. Nous cherchons à dégager de tout l'art avec lequel ils ont dissimulé
les matériaux qui leur ont servi. Car c'est dans l'expression nue des faits que nous trouverons la base de spéculation illimitée. Fin de citation. Je voudrais attirer votre attention, chers collègues, sur un mot clé. C'est de fait. Comme l'œuvre histoire, les mémoires historiques relatent des faits historiques. Mais l'apparition même de cette œuvre, que sont les mémoires historiques, est aussi un fait historique. L'ouvrage est un fait historique aussi, résultant des causes multiples et complexes. Aussi, les recherches chavannes sur le mémoire historique sont-elles comme une recherche historique de second degré, c'est-à-dire une recherche sur l'histoire de la reconstruction de l'histoire. On peut vraisemblablement penser que, de la part de Chavannes, une telle démarche n'était pas sans lien avec la double formation scientifique reçue. N'oublions pas qu'à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, il avait débuté ses études par la philosophie d'Emmanuel Immanuel Kant, à l'époque de Zurich Kant, et que sa première œuvre publiée fut précisément une traduction annotée des premiers principes métaphysiques de la science de la nature. Fort probablement, l'importance qu'il accordait aux faits et à la recherche des causes, ainsi que la distinction qu'il établissait entre les faits même et les connaissances qu'en avaient les hommes, devait à la philosophie kantienne leur inspiration première. En second lieu, je voudrais rappeler que Chavannes fut le premier sinologue français à associer les enquêtes des terrains aux études de documents, à articuler les recherches sur l'histoire de la Chine à celle de la véracité ou authenticité des sources disponibles et à associer la sinologie à la sociologie. En 1889, Sur la recommandation du directeur de l'École normale supérieure, Georges Perrault, Chavannes, alors âgé de 24 ans, fut envoyé en Chine en tant qu'qualité d'attaché de l'ambassade de France, alors sous la dynastie des Qing. Bien qu'il reçut un traitement du ministère des Affaires étrangères, il n'est pas en fait chargé d'aucun travail concret à l'ambassade. Sa seule mission était d'étudier la langue et l'écriture chinoise et de mener ses propres recherches sur le pays. Avant lui, seuls des diplomates, des missionnaires, des aventuriers et des voyages s'étaient rendus en Chine. Et parmi les chercheurs européens, l'Allemand Otto Frank était le seul il y être arrivé un an avant Chavannes, avant lui. À l'exception d'un bref retour en France pour son mariage en 1891, le premier séjour de Chavannes en Chine dura 4 ans. Et c'est pendant cette période qu'il se décida à entreprendre la traduction des mémoires historiques, ainsi qu'à commencer
la collection des stampes, des inscriptions et des stèles. S'inspirant de sa méthode apprise auprès de Georges Perrault, qu'il étudie le texte historique grec à travers des objets archéologiques et les vestiges architecturaux, Chavannes se rendit à la province de Shandong pour y étudier les inscriptions de la dynastie des Han et le mont Taishan, afin de les confronter au texte des mémoires. Entre 1907 et 1908, il effectua un deuxième séjour en Chine, emmena 10 mois durant des enquêtes dans la Mandchourie, dans le nord-est, puis le nord de la Chine, Hubei, Dongbei et Hubei. Les résultats de ces enquêtes donnèrent lieu à une importante publication en 4 volumes, avec notamment 587 photographies et de nombreuses annotations. Sous le titre de « Mission archéologique dans la Chine septentrionale », les sources de première main réunies dans cet ouvrage pour illustrer l'art de la sculpture chinoise et de la dynastie des Han, ainsi que les statuaires bouddhiques, firent de lui une œuvre sans précédent pour les études sinologiques de l'époque. En bref, comme Stanislas Julien et plus que lui, Chavannes s'adonna à toutes les branches de la sinologie à laquelle il ouvrit bien des voies nouvelles. Puisqu'il existe de nombreux travaux sur les avancées scientifiques contenues par Chavannes à l'issue de ses 2 séjours en Chine, je ne m'étendrai pas davantage sur ce point. Je soulignerai simplement le fait que les enquêtes de Chavannes n'ont pas seulement été d'ordre archéologique et philologique, mais ont également présenté un caractère sociologique. Cela ne signifie évidemment pas que Chavannes menait des enquêtes sociologiques, mais bien plutôt que son expérience de la Chine lui avait permis de prendre en considération les traditions intellectuelles du pays, sa réalité sociale, et d'offrir ainsi la grande perspective d'une étude sociologique de la Chine. Plus largement, il est possible d'affirmer que c'est à partir de Chavannes que les études sinologues ont acquis le caractère engagé des sciences sociales modernes. Tout d'abord, Chavannes doit son expérience de la Chine d'avoir prêté attention aux questions de tradition intellectuelle. Ainsi, la sinologie française qu'il pratiquait ne se limitait-elle pas à la découverte de la Chine pour l'Occident, mais contenait une charge critique à l'encontre de la compréhension que les Chinois avaient d'eux-mêmes. Comme l'a fort bien résumé Henri Masborough dans ses commentaires sur les travaux d'enquête de Chavannes en Chine, je cite, « À la différence de ses prédécesseurs, il avait fait toute son éducation de sinologue en un temps où la Chine souffrait de plus en plus largement. Et son séjour de 4 ans à Pékin lui avait donné des hommes et des choses de Chine une connaissance directe qui leur avait manqué. D'autre part,
Il lui avait permis de se rendre compte de l'activité de la philologie chinoise contemporaine et des efforts qu'elle avait faits pour renouveler la connaissance traditionnelle de l'Antiquité. Il prit un sentiment très net de l'évolution lente mais constante de cette philologie au cours des âges, là où, avant lui, on avait vu la tradition comme un bloc. Il montre qu'il y avait à distinguer des époques et des auteurs, chacun avec ses caractéristiques individuelles. Ce fut une des originalités de ses cours et de son œuvre. Les premières pour la sinologie européenne sut se dégager de l'emprise que la science indigène avait toujours exercée sur elle. » Fin de la citation. En outre, parce qu'il avait vécu en Chine, Chavannes ressentit vivement la nécessité de rester en contact immédiat avec le monde chinois et de ne pas l'étudier comme une civilisation décadente, morte. Durant ces années d'études à Pékin, les différents journaux publiés à la capitale de Qing, comme Jingbao Gazetteer de Pékin, Shuntian Shibao, Zhengzhi Guanbao, Gazette officielle de politique, etc., étaient ses sources de lecture assidue, dont, par ailleurs, il rédigeait des comptes rendus pour le lectorat français. Après son retour en France, Chavannes conserva toujours un intérêt pour la Chine contemporaine. Ainsi en témoigne par un petit article publié en 1901 intitulé « La société des boxeurs en Chine au commencement du XIXe siècle » où il a non seulement montré que le mouvement des boxeurs faisait partie d'un ensemble de sociétés secrètes existant depuis le début du XIXe siècle, mais en plus et surtout que les boxeurs n'étaient nullement un groupe de patriotes comme le croyaient certains occidentaux. Mais au contraire, ces sociétés secrètes constituaient des marginaux entretenaient depuis toujours des relations tendues avec le gouvernement chinois et que le soutien que leur apportait celui-ci ne visait qu'à profiter de leur xénophobie. Bien que des études dans ce domaine ne fussent pas une priorité dans les travaux de recherche de Chavannes, nous pouvons néanmoins y percevoir comme une annonce de problématique des études chinoises ultérieures issues de la sinologie. Enfin, c'est là le plus important, Chavannes fut aussi le premier à mettre en œuvre dans ses études sinologiques les notions et les méthodes issues de la sociologie naissante. Et s'il a pu le faire, cela est sans doute aussi dû à ses observations directes de la société chinoise. Dans ce domaine, on peut appeler ses œuvres les plus connues, telles que « Du rôle social de la littérature chinoise », c'est son leçon inaugurale au Collège de France. Les prix de vertu en Chine, de quelques idées morales de Chinois ou de l'expression de vœux dans l'art populaire chinois. Comparé à ces ouvrages archéologiques monumentaux,
Ce texte-là, jusqu'ici, encore peu attiré l'attention. À mon avis, la véritable ambition de Chavannes consistait à comprendre dans son ensemble la logique de l'organisation et du fonctionnement de la société chinoise. En 1893, élu professeur au Collège de France, à son retour de Chine, Chavannes eut ce mot dans la leçon inaugurale qu'il prononça. Comme les érudits de la Renaissance eurent une heure éblouissement et d'enthousiasme en déchirant le voile qui cachait le passé et en découvrant un monde, ainsi nous sommes du 19e siècle, nous nous arrêtons étonnés et songeurs au moment où nous avons entrevu la prodigieuse multiplicité des formes de la civilisation et où nous avons tracé le plan d'une science nouvelle, la sociologie. Fin de citation. Il me semble donc que le premier à associer la sociologie à la sinologie n'est pas Marcel Granet, l'élève disciple de Chavannes, mais Chavannes lui-même. En comprenant cela, nous pourrons probablement engager une nouvelle lecture des œuvres de Chavannes, en particulier celles qui touchent à la religion et à l'éthique, comme le Taishan et le dieu du sol dans l'ancienne religion chinoise. Le caractère premier et complet du sinologue. Chavannes ne s'arrête certes pas là. Par exemple, je crois qu'il fut pareillement celui qui a véritablement instauré la claire distinction entre l'époque historique et l'époque légendaire de la Chine. Les thèses iconoclastes du céleste historien du XXe siècle, Gu Jiegang, Gu Shibian, compte l'existence du Saint Huang Wu, des trois ancêtres et des cinq empereurs légendaires, ou celle d'un Da Yu, le grand vert, Da Yu Shi Chong, etc., ne sont en fait pas sans rapport avec distinction entre légende et histoire proposée par Chavannes. Mentionnons en passant l'influence de Hu Shi. Gu Jiegang se laissa influencer par Hu Shi. Hu Shi était un disciple de Frederick Hirt, à ce moment-là, le professeur à l'Université de Columbia. Donc, on entrevoit que c'est Gu Jiegang qui renouvela le regard sur les sources historiques chinoises, et c'est à travers Hu Shi et Friedrich qui a influencé le Gu Jiegang. Regardez le livre de Hilt, The Ancient History of China, a amplement cité l'histoire historique traduite par Chavannes. Faute de temps, il m'est impossible de développer ces éléments en détail. Aussi, n'est-il pas peut-être pas inutile de signaler que mon exposé d'aujourd'hui fait partie d'un projet de recherche plus vaste sur Chavannes. Ces dernières années, j'ai en fait entrepris avec quelques jeunes chercheurs
ensemble de traduire en langue chinoise des œuvres clés de Chavannes et d'essayer de proposer au plan épistémologique une nouvelle compréhension de l'apport de Chavannes aux études historiques. La version chinoise de nos travaux verra le jour à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Cet ouvrage sera présenté au public afin de commémorer ce grand maître qu'était Chavannes, successeur de l'appel Remusat et Stanislas Julien. On sait que l'année prochaine, c'est le 150e anniversaire de la naissance de Chavannes lui-même. Voilà. Merci de votre attention.